Des choses étranges se produisent chaque jour. Certains événements exigent une enquête. Je suis l'agent Fox Mulder et voici l'agent Dana Scully. Nous appartenons au Bureau fédéral d'investigation. Mais défie toute logique. Ça n'explique pas comment une fillette de 8 ans a assassiné au moins deux hommes. D'autres sont trop fantastiques pour être vraisemblables. Est-ce que tu crois en l'existence des extraterrestres? Mais les plus inquiétants sont des incidents trop dangereux pour être révélés. Avez-vous entendu parler de ce qu'on appelle les X-Files? Je suppose qu'ils ont un rapport avec les phénomènes paranormaux. Ne bougez pas! Soldats! Non! Dans le dossier secret, premier X-File apparaît exclusivement en vidéo. Vous aurez enfin la clé de toutes ces énigmes. Bonjour Bill. Qu'est-ce que vous faites là? Je viens pour une affaire très urgente. L'agent Fox Mulder possède des preuves. Ils ont toujours nié l'existence de ces fichiers. Où as-tu trouvé ça? Il était convenu que personne ne saurait. Mais le gouvernement fait tout pour effacer ces preuves. Tout ce que je vous demande, c'est de me rendre la copie de ces fichiers! C'est ton père. Il faut que je te voie de toute urgence. Papa? Mon père est mort, Scully. Voyons, Mulder, tu ne vois pas que tout te désigne comme coupable? Tu l'as tué! Ne le descends pas! Laisse-moi, Scully! Le dossier secret vous dévoile une enquête complète. Où es-tu? Là où je n'aurais jamais cru me trouver un jour. Ce X-File répond à toutes vos questions. J'ai trouvé des allusions à certaines expériences qui ont été menées ici. Des sortes de tests sur des êtres humains. Ce X-File vous révèle absolument tout. Ces cadavres ne sont pas ceux d'êtres humains. Il faut que tu sortes de là le plus vite possible. À vous d'ouvrir ce dossier ultra secret. Mulder, qu'est-ce qui se passe? Disponible exclusivement en vidéo. Une série de meurtres violents, tous semblables et tous terrifiants. Il y a des traces de morsures près des côtes. Deux agents fédéraux sont chargés de découvrir la vérité. FBI, pas un geste! Ils ont un suspect. Ils ont même des preuves. Chaque empreinte digitale est unique. Ces deux-là sont parfaitement semblables. La seule chose qui leur manque, c'est une explication logique. 18 homicides perpétrés tous les 30 ans depuis 1903. Mulder, ils ne veulent pas que tu t'occupes de cette affaire. Ils trouvent tes méthodes et tes idées trop... bizarre? Et toi, tu me trouves bizarre? Dans chacun de ces cas, il y a eu ablation du foie de la victime. Mais ce qui reste le plus mystérieux, c'est la manière dont s'y est pris le meurtrier pour atteindre sa victime. À l'examen, nous avons découvert une souplesse inhabituelle de sa charpente osseuse. Avez-vous plus de 100 ans? C'est un cas absolument unique dans les annales et qui nécessite une étude approfondie. Qu'est-ce qui vous prend, Toombs? Toombs? Une enquête spéciale des X-Files sur des meurtres en série s'étalant sur plus d'un siècle. Tout ce que je sais, c'est que si vous libérez Toombs, il recommencera à tuer. Libérez-le. Toombs. La terreur est éternelle. Disponible exclusivement en vidéo. Le 27 novembre 1973, Chilmark, Massachusetts, 20h53. Un jeune garçon est témoin d'un événement qui va modifier le cours de sa vie. Fox! Sa famille éclate. C'est à ce moment précis que Fox Mulder a commencé à croire en l'existence des extraterrestres.
Agents spéciaux du FBI, Dana Scully et Fox Mulder essaient ensemble de percer des mystères que la science ne peut expliquer. Formant une équipe improbable mais efficace, où le scepticisme de l'une fait contrepoids aux convictions de l'autre, ils s'acharnent à découvrir la vérité, aussi terrifiante soit-elle. Voici un aperçu de quelques-unes de leurs enquêtes, plus extraordinaires les unes que les autres. Chaque victime était déchiquetée comme par les crocs d'un animal. Oh mon Dieu! Vous avez vu quoi? Une créature étrange et cruelle. Écraser la gorge de l'intérieur. Avez-vous rencontré des cas de ce genre? Non, jamais. Ne le dites pas! Tu veux que je masque ces ouvertures? Tu n'as qu'à me dire où sont les deux autres. Dans un moment, tu ne pourras pas échapper au soleil, fils. S'il veut parler, couvrez les fenêtres et appelez-moi. Et s'il se change en chauve-souris pour s'envoler à travers les barreaux? Ce gamin délire, c'est un illuminé. Mais je suis certain aussi qu'il a du mal à y croire lui-même. Il faut faire semblant de jouer le même jeu que lui. J'espère que sa peur du soleil l'obligera à parler. Permettez-moi. Et gentleman en plus. Tous les Anglais sont des gentlemen. Oh mon Dieu. Je suis sûre qu'il y a un truc. Et les mecs, regardez donc ça. Vous vouliez du feu? À présent, il brûle ses malheureuses victimes. On ne sait pas comment il s'y prend, cela dit. Jamais l'ombre d'une preuve sur le lieu du crime. Au feu, les pompiers. Ne bougez plus ou je tire!